Est-ce qu'on commencerait pas la vidéo d'ici, les amis? Là, on est sur l'axe principal. Mais aujourd'hui, je vais vous amener dans un concept nouveau sur la chaîne, en vidéo immersion complète. C'est-à-dire qu'on va faire une vidéo là, sans coupure, d'une dizaine de minutes à peu près, où vous allez m'accompagner dans les résidences coréennes, dans les cités coréennes, pour voir un petit peu la vraie vie. Où est-ce que vivent les Coréens quand on n'est pas dans les rues comme Hongdae ou là où il y a des Hanok ou ce genre de choses? Où est-ce que vivent vraiment les Coréens dans toutes ces grandes barres d'immeubles? Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va traverser plusieurs résidences et je vais vous montrer un petit peu comment la vie ici, comment vivent les Coréens un dimanche 7 avril à 15h53 exactement. Il fait un peu plus de 20 degrés. C'est le premier beau jour, il fait une température comme ça. On est sur la fin des cerisiers, vous allez voir, ça va être très joli. Alors c'est une vidéo qui se regarde au calme, où vous allez essayer de vous immerger dans l'ambiance, dans l'atmosphère. C'est pas une vidéo qu'on survole, c'est pas une vidéo où on fait avance rapide. J'ai pris le vélo exprès de façon à pouvoir aller assez vite de toute façon, pour pouvoir vous montrer plein de choses en très peu de temps, sans qu'il y ait trop de temps mort. Je parlerai pas forcément tout le temps dans la vidéo, hein. Il y aura des moments où je parlerai pas, que vous puissiez entendre les bruits qu'il y a autour de moi. Là, regardez, je suis donc sur une route entre deux résidences. Là, j'arrive face à une école. Les routes comme ça, entre les résidences, quand on n'est pas sur les grands axes, de façon à ce que les gens puissent se déplacer à pied ou à vélo, avec des pistes cyclables là. Là, on passe devant une école. Avec... Elles fonctionnent toutes comme ça, l'école. Elles sont toutes comme ça. Vous avez le gymnase qui est au fond, là. Vous avez un grand bâtiment en ligne, là, qui va être les salles de classe. Et un grand terrain devant. Elles sont toujours comme ça, les écoles. Là, vous avez une grosse aire de jeu, ici. Vous allez voir, des aires de jeu, on va en voir plein. En très peu de temps, il y en a vraiment de partout, des aires de jeu. Donc, comme je vous ai dit, je ne ferai pas de coupure dans cette vidéo. Mais si, par contre, je m'arrête à un feu rouge... Je ferai peut-être une pause parce qu'ici les feux rouges, pour ceux qui connaissent, ils durent 3 heures. Donc là on va vraiment arriver au cœur des résidences. Dans tous les parcs qu'on va traverser, ça c'est bien. Vous avez des toilettes publiques. Il y en a vraiment de partout, des toilettes publiques ici. Là regardez. Pour la petite anecdote, comme ce feu rouge il est à côté d'une école, il y a une petite sécurité, donc vous voyez déjà c'est en rouge ici pour dire faut pas traverser, c'est le petit bonhomme rouge en face, mais si vous avancez trop, vous avez une voix qui vous dit attention c'est dangereux, recule-toi. Vous avez un détecteur ici qui détecte quand vous dépassez en fait et qui vous parle. C'est assez bizarre au début mais voilà, c'est parti, on continue. Donc là vous avez vu, on a passé un parc. Et là, on va passer à un deuxième parc que j'aime beaucoup. Puisqu'en fait, celui-là, il a une piste pour courir de 400 mètres. Un petit chemin bleu, là. Donc, je viens parfois faire mon footing ici. Ce petit chemin bleu ici, là. Une espèce de caoutchouc qui absorbe les chocs, donc c'est sympa. Là, vous avez un petit endroit pour le sport, pour les papy-mamies. Comme vous voyez, la mamie, elle doit avoir 90 ans. Là, elle fait les étirements. Là-bas, pareil. Et vous avez des endroits comme ça, comme vous disiez, des toilettes dans tous les parcs. Vous avez encore des toilettes ici. Petit terrain de foot en sable. Terrain de basket. Des gros bâtiments devant. Là, on va avoir un petit abri. Une aire de jeu pour les enfants. Là, comme je vous disais, hop, le chemin bleu qu'on va prendre tout de suite, puisque je vais partir dans la résidence à côté. Là, vous avez même des gens qui sont installés là, sous les arbres. Et là, on va traverser cette résidence. Hop. Petite aire de jeu ici.
Et ben Lila, ça sentait trop bon. Comme vous pouvez voir, l'intérieur des résidences, c'est calme. Malgré tous ces bâtiments, la densité de population, c'est très calme. On a des beaux cerisiers, là, on est vraiment à la bonne saison. On va arriver au centre de cette grande résidence et de tous ces bâtiments, là. Une aire de jeu. Aire de jeu assez sympa, parce qu'il y a un grand toboggan. Je viens aussi... Mince, je me suis trompé. Si, je vais pouvoir passer par là. Je viens des fois ici avec Gian pour faire ce grand toboggan, là. Encore les toilettes ici. Et là, je vais passer par là. J'ai pas le choix. Je passe à gauche. Hop. Là. Hop. Un gros caca de rouge. Et donc là, à l'entrée de la résidence, vous allez avoir toujours ce bâtiment comme ça, avec plusieurs commerces dedans. Donc là, par exemple, on a une petite supérette. Elle est pas ouverte 24/24, mais je sais qu'elle ferme à minuit, un truc comme ça. Là, on a une crèche. Là, de l'autre côté de la route, c'est une autre résidence. Oh, c'est vert, je vais en profiter, je traverse tout de suite. Sinon, le feu dure 3 heures ici aussi. Donc là, regardez, je vais entrer dans une autre résidence. Là, on a une grande crèche. Ça fonctionne pareil. Un petit bâtiment à l'entrée avec plusieurs commerces. On va peut-être y avoir une pharmacie, un petit resto, un petit JS 25, là, un convenience store. Et là, on rentre dans une nouvelle résidence. Là, on a une autre crèche ici. Des beaux cerisiers. Complètement entouré de bâtiments. Ah, c'est beau, là, les cerisiers comme ça. Et là, vous allez voir qu'on va, alors qu'on vient de traverser 2-3 parcs, on va tout de suite être encore dans un nouveau parc. C'est assez... Malgré cette densité et tous ces bâtiments, on ne se sent pas oppressé. Comme vous pouvez voir, c'est calme. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre à la caméra. Je vais passer par là. Hop. Et là, tac, on arrive sur une nouvelle, un nouveau parc, nouvelle aire de jeu comme ça. Alors qu'on y était il y a vraiment 2 minutes chrono dans un autre, même pas. Terrain de basket ici. Petit abri pour les papiers mamie. Là, on a une jolie aire de jeu aussi avec toutes les familles qui sortent comme ça le week-end avec les petits enfants. Trampoline, balançoire, toboggan, cerisier, toilette encore important. Et là, je vais passer par... Je vais passer par l'intérieur de celle-là. Là, regardez, encore le chemin là, entre les résidences. Je vais passer par là. Je vais porter mon vélo, hop. Là on a une crèche pareil ici là. Et là je rentre dans une nouvelle résidence encore. Là on n'est pas dans des résidences de luxe hein, c'est vraiment les résidences de base en Corée. Elles doivent avoir une vingtaine, trentaine d'années, ou une trentaine d'années peut-être, 20-30 ans. Et une nouvelle résidence, il n'y a pas de voiture comme ça. Les voitures, c'est que dans les parkings souterrains pour la sécurité, donc ça fait que c'est que des espaces comme ça sans voiture où on peut pas rouler et dans les nouvelles résidences. Et là, je sais plus trop où je dois aller. Je vais essayer de ressortir là, je vais ressortir là-bas. Comme ça, on traverse toute la résidence. Hop, là, je vais être au milieu. Alors l'entrée, un petit JS25 et une petite supérette à côté avec un marchand de fruits, un petit papy qui vend ses fruits.
On va traverser. Ah bah regardez, c'est rigolo. Là vous allez avoir droit à un show. C'est dommage, on est du mauvais côté, vous pourrez pas voir, mais en fait il y a des élections en ce moment. Et donc vous avez des camions qui tournent comme ça. Si vous voyez là, les gens qui font coucou. Donc ça c'est voter le numéro 6. Ça y est, c'est vrai, on peut passer. Et là regardez, on va tout de suite arriver encore sur un autre parc. Hop là, avec celui-là, une espèce de circuit pour faire du roller, petite piste ronde, des poteaux pour mettre des filets de badminton. Un peu plus calme celui-là. Et on va retomber ici sur un chemin entre les bâtiments. Je vais vous ramener sur le grand axe qu'on a quitté tout à l'heure, de façon à avoir fait une boucle. Hop. Une boucle pour boucler la boucle. Et en plus cette résidence, j'aime bien comment elle est foutue, j'aime bien. Enfin, on voit bien qu'il y a des bâtiments vraiment partout, quoi. Je suis entouré vraiment de bâtiments dans tous les sens. Avec des beaux magnolias. Je sors le nom des arbres maintenant. Hop. Passer par là-bas. Et on va sortir par là-bas. C'est comme ça, j'ai décidé. Je veux sortir par là-bas. J'aurais dû sortir par en bas. C'est pas grave, ça ira très bien par ici. Grand bâtiment là. Hop. Là, regardez. Le bâtiment avec tous les commerces à l'entrée de la résidence. Tous les petits commerces de première nécessité. Eux, c'est pour voter pour le numéro 7. Et là, tout au bout, on va avoir le grand axe. Voiture de police qui rôde. Le grand axe routier par lequel j'ai commencé. Les petits vendeurs comme ça, de fruits et légumes, les papis là, qui ont leur truc. Là pareil, plein de commerces dans ce bâtiment. Et là on va tomber sur le Hyundai Baekwajom, gros centre commercial. Et on va finir la balade ici. Pardon, excusez-moi, désolé. Hop, hop là, pardon. Et voilà. Alors regardez, dès qu'on sort des petites routes. La résidence et des petites routes là, tout calme. Là c'est le gros axe routier à 12 voies. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change de ce que je fais complètement d'habitude. C'est la première fois que je fais ça. Dites-moi si ce concept un petit peu immersion, faut le refaire ou pas. Et voilà, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures et de nouveaux concepts. Et hasta la vista!